Let battle commence. Peine décidée. Oui. Oui. Ton armée, elle est craquée. Ah bon? Bah, cafoule cave et des dégâts de cochon. Ah bah écoute, hein, on bosse la cavalerie, hein. Par contre, une forge améliorée à fond plus Hephaïsto, c'est pas cheaté, bah. Écoute, moi je joue en Horde, monsieur, alors je vois pas de quoi tu parles. Donc on va voir un peu ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a un nouveau décret royal dispo? Hop, je vais partir sur ça pendant 9 tours. Eskion est notre objectif, de toute façon. Elle fait mal à chaque fois que je rencontre ça. Alors, bah là tu, mon armée, là, c'est une armée de cauchemar. Hein. Je passe juste le tour. Ça fera une petite transition. Etria n'existe plus. Et salut à tous, salut YouTube. Bienvenue pour la suite de cette campagne avec Penthesilea en mode légendaire. Nous sommes actuellement en train d'assiéger l'armée de la ville de Skion avec Penthesilea. Skion qui est l'une des villes que l'on doit faire tomber pour la suite de mission épique que je vais rappeler ici. Donc honorer l'alliance. Donc si on fait tomber Skion, on gagnera du bronze. Et les relations diplomatiques avec Troie et tous leurs alliés vont monter de 25. Et ce qui fait qu'on accomplira notre 7ème mission. On est encore loin des objectifs des Total War, mais pour, concernant les objectifs de... Comment ça s'appelle? De... merde. De la victoire homérique, ça commence à se faire. Donc on s'approche de la Grèce avec Mycène et autres, et on verra un peu ce qui nous attend. Par contre, on voit qu'Hector et ses frères, ils sont fait plaisir. Hein. Athènes et Thomas de... D'accord, Ajax. Très bien. Bon. Au moment où on va assiéger, on va voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que j'allais dire? On pourra faire cette tech là, tu me diras. Par contre, oh les techs qu'il faut là pour avoir du bon en plus. Oh. Point de compétence nous enseigné pour Penthesilea. Suite à notre petit festin, on gagne 2 levels. Je vais d'abord partir sur ça, vitesse de l'armée pour les batailles terrestres. Alors maintenant, je pense que je vais partir sur Rage d'Arès. 42 dégâts des armes, indémoralisable, folie furieuse, crainte. Plutôt un beau cocktail. Après, je trouve que dans les campagnes, Penthesilea se fait péter rapidement. Je sais pas si c'est pareil chez toi, mais moi, chaque fois, elle tente d'approcher de la Grèce, elle se fait vite exploser. Ah, lui, il me redéclare la guerre, ce fourbe. Lui, il me propose un traité, un peu de bois, je veux bien. Ah, les Béotiens me déclarent la guerre, enfin. Ces chiens montrent leur vrai visage. Ah, on a un nouvel antagoniste. Il s'agit de Diomède, d'accord. Oh, tu me diras, il change de veste comme de chemise. Bon, là, je la fais pas, hein. Oh, on a pris cher. Bon, l'infanterie surtout, mais le reste, ça va. Et je vais faire le truc raser tuer pour améliorer, faire vite la technologie là. Comme ça on fait la nouvelle mission. Ah, 16, 4 tours encore. Avoir 3 unités de filles de... Oh. Bon. Il nous faut le rang 5 pour cette unité. Donc là, il nous faut 3 unités de filles d'Arès, donc il va falloir vite monter nos haches, quoi. On va prendre les 2%. Donc là,
Ils nous ont dit 3. Alors attendez, je vais regarder. Mon bonus t'es rang 4. Fille d'Arès. Après Arès au cœur somptueur d'homme, accordez à votre fille votre insatiable rage sur le champ de bataille. Votre nouvelle sœur Enya craint que vos entreprises vertueuses ne faiblissent si elles ne sont pas guidées par les dieux. Même si vous n'autoriserez pas que vos guerrières deviennent dévies de leur vengeresse, vous devez bien reconnaître que la jeune Enya a raison. Votre père Arès vous accordera sûrement ses faveurs si vous le suppliez selon les anciens rites. 3 unités de filles d'Arès, actuellement on en a une. Donc je vais tout de suite me mettre en camp. Et je vais développer ça pour augmenter le taux de reconstitution encore. Donc là, on a notre camp à fond. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remonte vers le nord? Je sais pas. Traité de paix pour Dubois, je prends toujours Dubois, ça fait plaisir. Allez, là, tout le monde commence à me déclarer la guerre en Grèce, ça plaît pas ce que j'ai fait. Allez, allez, rang 27. Bon, là, son armée, on doit l'anéantir avec ce qui reste. Allez, bisous. Allez, 28% de reconstitution. Les flégrés, c'est un souvenir du passé. Alors... un moment d'unité de corps, il va falloir s'en débarrasser. Hein. Lié par le sang. Il nous faudrait 500 d'or par contre. Voilà pour le moment, les Béotiens ils font pas le poids. Hein. Donc on a fait de la faveur pour Zeus, Athéna, Apollon, on est plutôt bien quoi. Donc il faudra qu'on fasse, essayer de faire en sorte de faire tous les dieux pour un succès. En gros, avec Penthesilée, il y a un succès. Vous devez gagner de la faveur avec chaque dieu en rasant les villes. Bon, lui là, il continue de nous harceler. Et je vais ignorer les villes là, ça ne m'intéresse pas. Ah bah ça a une minute unique contre nous. Ça tombe bien. Donc je vais me mettre en route. J'essaie de faire un petit tour. Bien. Donc là on fera 3 filles d'Arès comme ça. Là, sur là, les tours, qu'est-ce qu'on peut faire à part les passer? Pas grand chose. Ça y est, là tous les Grecs sont quasiment en guerre contre nous. On dirait que. Attends. Hector, on dirait qu'il. Bah attends quoi? Non, Hector il est encore là, j'ai eu peur. Cité d'Atalante. On va raser Atalante pour de la gloire de combat. Il y a un truc pour Artemis là-bas, mais c'est pas ce que je recherche. On va raser cette ville, on verra ce que ça donne. Là, le but, ça va être de raser la ville et de revenir. Je sais plus si Artemis on l'a fait, j'ai un doute. Quelqu'un se souvient si on avait rasé une ville pour, avec un truc en hommage à Artemis? Je crois pas. Hein. Ah, Momonus est de retour. Le 007 Momonus. Du coup, tu vas me tenter un assassinat sur lui. Bien joué. Tu vas me déclarer la guerre à lui.
binds us all. Don't hold back. Allez, on va raser et tuer, on va voir ce que ça donne. Au prochain tour, on terminera cette recherche. Ça y est, là on commence à monter en puissance. 4142 gloire. Hein. 21 colonies différentes de rasées, plus que 79. Oh que c'est long. Par contre là je vais tenter un truc. Oui bah non, toi c'est mort. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Là on va tenter de pourrir son armée. Je crois pas qu'on l'ait fait Artemis, ça me parle pas. Les Byzantiens aussi ils ont explosé. Non, ça on l'a déjà. Coup d'action des agents, ça peut toujours être bien, tu me diras. Alors, je regarde un peu l'armée qu'il a. Oh, la garnure déjà est costaud. Son armée est puissante aussi. Au moment qu'il continue sa progression. Ouais, moins 20 coups de construction, moins 20% de coups pour les agents. Et je lui déclare la guerre à lui. Il va pas aimer. Il est loup solitaire en plus. Rien qu'avec ça, on ventile. Hein. Et là, je suis en train de me dire que peut-être que Argos, Salamine et tout, ils sont en train de monter vers moi pour m'exploser la gueule, quoi. Bon, il y a un agent qui va se faire assassiner, déjà. Voilà. Mille rapide plus pour Momon. Plus 8 de portée de pour cette armée. Je crois pas qu'on ait fait Artemis. Hein. Donc pour moi il me resterait qui à faire à raser. Il nous resterait un truc pour Aphrodite, Poséidon, Arès, Apollon. Je crois qu'on l'avait fait au début de campagne si je me souviens bien. Et Hera. Il va y avoir du rififi en Macédoine. Hein. C'est moi qui vous le dis. Show me blood. Let battle commence. This is it. C'est la fête. Bon allez, tu me donnes un peu de bois, j'accepte. Toi aussi. Tout le bois qu'on peut prendre, c'est bénéfique. On va encore attendre un tour. Ah, on a tenté un truc, ça... Oh merde, on s'est trompé. Bon, tant pis. Je crois que c'était un autre agent, j'ai pas fait gaffe. On va continuer à faire crever Absalos. Hein. Ah, là, tu me proposes des choses intéressantes. De la pierre et de l'or. L'or, je te dis oui. Ah, tu me proposes du bois, je te dis oui. Allez, on prend la ville.
et on va raser et tuer pour le décret. J'espère que ça va passer. Il va nous rester que 3 tours. Bon, ça va. Loup solitaire, 10 de portée. Les péoniens, c'est un souvenir du passé. Ah, Fidares, là, c'est bien. Une deuxième. Hop. Là, on va gagner un petit peu plus. Donc là, il nous faut encore une unité. Et tout le monde sera bien, quoi. Ah, les deux chasseresses, on va tout de suite les monter. En chasseresse montée. Parfait. Alors. 8800 de boost pour 368 d'or, je vais accepter. En plus c'est Hippolyte, donc ça fera un truc cohérent. Un peu de bronze, allez. Et là justement je fais ça, en fait c'est pour la technologie de cavalerie, la dernière. On aura assez d'or comme ça, vous voyez. Ça ne va nous coûter combien d'or en fait? 700 d'or, vas-y. Et si je te prends le pacte aux gloires. Voilà, on est à fond. Notre gloire de combat elle a 4300 et quelques. Et là on peut faire le dernier, la dernière Fidares. Normalement on a les 3 qui nous demandent. Mais à mon avis ça va se déclencher au prochain tour. Je vais me mettre là en position. Il y a eu de la bonne razzia, là on trace, là on arrive tranquillou en Grèce, donc on va commencer à faire un petit carnage. Bon allez, va pour de l'or. Parce que 10% de dégâts en plus sur toutes les unités de cave, c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Il y a Dorian qui me propose la paix, non. T'avais qu'à pas déconner mon pote. T'as voulu jouer au plus malin. Alors, le prix de la dissidence. Des paroles indisciplinées peuvent précipiter une arme aux enfers avant même que la première flèche ne soit décossée. Vous avez voulu dire qu'un homme servant comme armurier fait courir des rumeurs dissidentes parmi vos sœurs. Cet homme insensé clame que l'armée des Argiens est bien trop puissante pour toutes vos guerrières rassemblées. De telles paroles peuvent détruire des armées aussi certainement que les épées les plus effilées. Il est de votre devoir de faire un exemple de serviteur des lois. Le faire fouetter 15 de morale ou faire un duel à mort, alors ça va durer 15 tours. Si on prend 15 d'attaque en mêlée pour toutes nos armées, soit 15 de morale, l'attaque. On va être agressive. Rage noire. Gagner 3 batailles contre la tribu suivante, Achéen. Comment peux-tu me conseiller la paix, petite sœur, quand derrière mes yeux les flammes ravagent encore Thémissir la sacrée? La jeune Enya parle de prairies verdoyantes et de richesses étrangères, et pourtant vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre chère reine Antiope s'éteignant dans vos bras des années plus tôt, alors que Thémissir la sacrée brûlait autour de vous. Les Amazones ne connaîtront la paix que lorsque les navires de vos ennemis brûleront sur les eaux qui les ont portés jusqu'ici. Ainsi parle Pétessilée Fidares. Récompense, chemin de ruine, plus 1000 d'expérience pour toutes les unités pendant un tour. Sagesse de la guerre, 2000 points d'expérience pour toute l'armée. Toutes les armées bénéficient de la gloire au combat et unité d'élite spéciale recrutement. Bon, déjà, on va commencer par ici. Je vais juste regarder un peu les stats de l'armée, déjà. Regardez-moi ces stats. Oh là là, mes cavaleries lâchent plus de 100 d'attaque, 121 d'attaque. Oh. Après, c'est le bonus aussi de 15%, je sais, mais... Let's go. On va voir un peu ce que ça donne. Putain. Algenor, compagnon. Il doit avoir des lanciers, je dirais. Ouais, des lanciers en armure. Il y a 3 lanciers différents. On a nos unités à l'âge pour faire le nécessaire contre elle. En route pour Kition. Thank you.
Alors, vous venez? Ah, ils viennent. C'est quoi, on va faire deux groupes. C'est les guerriers à l'âge, comment eux? Toi, ça se passe comment là? Oh, l'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Allez, pendant tester les flancs ici, les petits frondeurs. Il nous reste encore deux unités de cave en réserve. On va tenter de les faire passer là sur le côté. Oh la vache, oh le beau carnage qu'on est en train de faire. Alors les lanciers là, ils craquent, ouais, ils sont complètement brisés. Et là le général vient de tomber, donc là ça va être la fin. Je pense qu'en vrai là je vais virer les deux Corénites, je vais recruter les lanciers à lance de base, vous savez, et j'essaie de partir sur quelques furies. Succès déverrouillé Fidares, c'est quoi ça? Fidares, en jouant les Amazones d'Hippolyte de Penthesilée, remporter une bataille avec une armée composée exclusivement d'unités Amazones ne pourront être améliorées. Allez, un succès de fait, hein. Et là on va faire le deck, on va faire ça. On a 8000 de bois, je vais tout de suite l'embarquer. Ce sera fait comme ça. War Queen. Glorious death awaits. Je vais me mettre là, en camp. Je vais voir un peu ce que ça va donner si je recrute ces deux-là. Elles seront cran 3, tu me diras. Et la cohorte aussi. Si j'en recrutais, admettons, alors j'ai 3 unités. J'en recrute 2 comme ça et une cohorte à l'âge classique. On va perdre un peu de puissance, mais globalement, je pense qu'on va vite récupérer. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les gars pour le monde de la campagne? Ça se passe plutôt bien on va dire. Voilà, on a fait ça, le truc à un tour. 15 de munitions pour les unités lance projectiles. Non, ça fait cher là d'entrée de jeu. Il nous reste 700 d'or ici. Oh, il nous reste encore pas mal d'or ici à aller chercher. Un petit peu plus de bronze, ça fera pas de mal. Ça limitera nos pertes. Et Momonus, Momonus, Momonus. Alors toi déjà, je vais t'améliorer tout de suite en ça. Et on partira ensuite sur des cavaliers. Momonus 007. Combien? 58. Allez, on le tente. Bien joué Momonus 007. Je vais faire assassin entraîné. Non. Je vais faire poison oriental. Ça fera plus de dégâts sur toutes les unités. Non.
Attends, je regarde. Je vais faire ça, plus de dégâts sur avec l'assassinat. Ça pourra avoir de l'impact. Oh bah c'est vraiment de la merde vos garnisons hein. Faut pas être méchant mais... Voilà. Ah on a perdu nos 3 unités récemment recrutées, lol. Et là je suis obligé de recommencer les... Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc à Athéna là à faire? Bah tu sais quoi, on va faire la prière d'Athéna. Et l'hécaton, non. Comme ça on va gagner deux rangs quand on va recruter les unités. Alors si je le fais là. Donc je vais juste attendre un tour. Et on va se soigner déjà avec ça. Comme ça, si on gagne. Sinon, ça vous dit d'avoir vu sur Volcan. Ah. Il y a eu un... Je crois qu'il y a eu une éruption aux îles Canaries, non? Un truc comme ça, Moment. Non. Ah, par contre, là, de l'or, je dis oui. Bon, lui, on va l'assassiner. Momonus, assassine-moi cet agent. Merci. Allez, encore un truc amélioré. Et on va recruter les unités. Donc, j'avais dit quoi? Une cohorte à la hache et deux comme ça. Par contre, là, vous trois, je vais vous dégager. C'est rien de personnel. Ce que j'ai... Attends, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais dit. Comme ça, j'aurai 4e unité à la hache. Là, j'aurai 2 furies en plus. Et je vais partir sur 2 chasseresses, tiens. Là, ça me fait combien de caves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faudra une initiée, alors. Nouveau décret royal disponible. Je vais partir sur les coups d'action d'agent. Comme ça, là, on va être pas mal. Comment ça, j'ai peur? Ah bah oui. C'est vrai, j'ai viré la plupart de mes unités, donc je vais faire gaffe quand même à une embuscade. Ça peut vite mal finir. On est sur la bonne route, là. Bon, déjà, je vais faire ça tout de suite. Alors, vous deux. Cavalière. Vous deux. Javelinière, toi, à la hache. Il me reste encore une initiée à recruter. On va se rendre pour Aeon. Par contre là déjà on a une bonne nouvelle, on atteint les 5000 de gloire. Et pour moi on n'a pas tapé d'Aquien, hein, c'est ça? Non, on n'a pas encore... Les Macron sont pas considérés comme des Aquiens. Bah, tu sais quoi, on va se mettre là. On va surveiller un peu ce qu'il y a. Je vais me mettre en camp là. Et je vais recruter la dernière initiée, comme ça ce sera fait. Et toi, murmure de sédition. Gros dégâts, en plus, t'as une image d'une maison non touchée par la coulée de lave. Ah bah ouais putain. Un petit peu plus d'or. Bon là on est plutôt cool, on est plutôt en bonne position. Ok. Je suppose que ce ne sont pas des Athéniens, enfin des Achéens à taper eux. Parfait.
Allez, intrépide, ça c'est fait. War is my life. Non, toujours pas. Bon, on arrive tranquillement hein, dans le sud de la Grèce. On va progresser. On est plutôt en bonne voie. On va voir ce qui nous attend à Holoson. Et il y a de l'or à Dion. Ça pourrait être utile de récupérer de l'or. Donc là, on est en train d'essayer de faire le succès, avoir toute une armée full cavalerie. J'espère qu'il n'est pas bugué. Là on aura une 4, il nous faudra une unité rang 5 ici, et là il nous faudra une unité rang 5 aussi, et les cavalières dès que possible on les... ces deux là on les fera passer en furie juste pour le bonus de pénalité de morale. Il y a une armée qui est revenue. Voilà. Dis donc, Momon, t'es en feu, toi. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça devient limite vexant, hein. Ah, est-ce qu'on perd des unités qu'on rigole? Ah, on a perdu l'unité à la hache, tiens. C'est curieux ça. Par contre, là, les deux cavaliers, elles ont fait le boulot. Destroy this place. Hungry for glory. Non, c'est pas ça, c'est ça qui nous faut. Récupérer de l'or à Dion, bref. Bon, on va tout raser dans le doute. Hein. Nouveau décret royal disponible. 300 de bouffe, allez, on va les prendre. Ça a son utilité, la bouffe, hein, n'est-ce pas? Serions-nous proches du mont Olympe, messieurs, dames? Vous avez vu ça? Il propose un traité de paix. Ah non, 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 je vais te raser, toi, t'es fou. En plus, on regarde un peu de bouffe en plus, donc j'ai envoyé mon menu 007. Alors, attends, je vais te rajouter quoi? Oh, ça, c'est fort, ça. 10 à l'usure après un assassinat réussi. Alors attends. Voilà. Alors attends, t'as pas fait de décret. Si je te mets le décret 8 tours. On va prendre ça. Combien de tours il va nous falloir maintenant? Quatre tours, ok. Donc ça double, donc là c'est pas intéressant. Eh oh, calmous les dieux là, je sais, mais quand même. Donc là on a fait ça, ça, ça. Apollon, je suis quasi sûr qu'on l'a fait. Hein. On l'a fait à Salimdès, ça c'est sûr. On a fait Apollon. On a fait... comment il s'appelle? On a fait Héphaïstos. On a vu Zeus passer un moment. Je crois qu'on a fait Athéna aussi, mais moins sûr pour Athéna.
Donc, prochaine étape, Dion. On fait notre petit tourisme. Hein. Plus de tourisme. Et cette fois, on n'a pas les flammes des... On n'a pas les unités mythiques, là. Donc, faites pas chier. Par contre, là, Hector et Paris sont en train de bien s'installer dans le nord, là. Là, on va continuer. Raise it and enslave their menfolk. Death finds us all. Et Momonus. Si je passe ici là. Ah, ils veulent pas me donner un accès militaire. Vraiment. Alors pourquoi Paris veut pas me donner un accès militaire? Au pire on passera par la mer, mais il faudra faire attention. Ouais, on passe comme ça, ici on rase. Comme ça on tombe direct sur Cranon et on continue de descendre. Par contre le petit problème qu'on a, c'est qu'on compte pas de factions pour le moment. Comment ça s'appelle? Des factions Akiennes. Donc peut-être que on va en croiser. Alors je sais pas ce qui est considéré comme Akien. Ah bah les curettes sont considérées comme Akien justement, donc on peut commencer un petit carnage sur eux. Donc Larissa, c'est un truc d'Héphaïstos, mais bon. Tu me demandes 8000 de bouffe et un peu de migration. Let's go. Après, donc plus tard, bon. Après la campagne que j'aurais fait avec Pantécidé, je retournerai. Je ferai pas de la troisième campagne de. La dernière campagne de Troyes que j'avais prévue. La campagne. Comment ça s'appelle? Avec Sarpedon, je la ferai pas tout de suite. Mais je la ferai. Je voulais la faire à un moment, donc. Alors là, il y a du people. Je vais me planquer là à 90%. Je vais explorer par là. Voilà. Et la prochaine étape, Eucali. Salut Total Coliseum, salut Alf, ça va? Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous m'avez raid, mais bienvenue quand même. Et merci pour votre présence. Bienvenue, bienvenue. On continue de raser la graisse là. Après notre petit séjour à... Tu me proposes un traité de la bouffe, allez vas-y. Continue notre petit séjour en Grèce là. Nos Amazones sont en train de devenir très dangereuses. Oh, Héphaïstos nous bénit. Entretien en bronze, moins 10%. Je dis oui. Salut Amber, bienvenue à toi. Bon. Oh là là, ce car. Oh mon dieu, j'ai perdu un seul, une unité. Oh my god. On va raser dessus. Et on va se mettre en route pour la prochaine destination touristique des Amazones, Cranon. Oh. Ah, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes. Alors, Momonus. 5% de succès pour des actions. Bienvenue, bienvenue. Donc, on a continué la campagne hein, pour ceux que ça intéresse. On a recommencé parce qu'on a eu un bug, je voulais faire Victor Homérique, et en fait quand j'ai fait The Six Total War, bah j'ai pas pu parce que je devais me rendre à 3, je devais tamper avec eux, voilà. Donc je la refais de mon côté. On a fait un long tourisme en Thrace, on a fait un petit peu quelques îles à un moment, et là on arrive dans le nord de la Grèce, on est en train de descendre vers le sud pour atteindre les villes qu'il nous faut. Donc si on veut gagner cette campagne, on devra raser les 3 villes suivantes qui sont Athènes, Mycène, et Sparte. Donc on a encore un peu de chemin. Hein. Bon. Il y a encore un peu le temps. Il n'y a pas le faux lac non plus. Mais quand même. À Mégare, c'est Arès aussi. Athènes, il n'y a pas de truc. Ça m'étonne.
Donc on va peut-être croiser des villes ici, hein, au fur et à mesure, on verra ce que ça donne. Donc on essaie de faire. Lol, Gauthier est partout. Les chiens chez les ch'tis, donc ils n'aiment pas les cas, alors là. Gauthier partout. Ah oui, lui, Gauthier, c'est... El Seigneur Gauthier, esta en la casa. Là, on va attaquer Cranon. S'ils se refont. Ah, lui, il en profite. Bon, ça, c'est cool. Non, je vais éviter de me retrouver en guerre contre lui. Oh, Cranon, vraiment. Il est où mon espion? Ah, je t'avais pas vu. J'ai cru qu'il te moment, tu étais déjà blessé. J'ai cru ça. Bon, on va aller explorer un peu ce qu'il y a du côté de fer. On va essayer de récupérer beaucoup de nourriture. Et nous, on va déclarer la guerre à cette faction. Bon, qui est allié de Sparte et de Salamine. Ça tombe bien, en plus, c'est Anakéen. On a quasiment une armée full cavalerie. Il ne reste que deux unités. C'est juste pour faire le succès, bien sûr. Est-ce que ça nous compte dans notre succès? Normalement, oui. Oui. Première bataille gagnée contre les Achéens. Donc là, on en a déjà une. On en aura une deuxième ici. Et peut-être une troisième à Alos. Après, on pourrait peut-être aller à la Farsale. En fait, il y a de l'or là-bas. Récupère. Oh, 1575 d'or. Je dis oui tout de suite. On signe où? Repeat after me, where is Gauthier? Gauthier is in the kitchen. Gauthier está en la casa. ¿Dónde estás, señor Gauthier, actualmente? Oh punaise, lui, il se fait plaisir, hein, le pélage. Salut, Sir Rod, comment tu vas? Ça fait longtemps. Bah, j'ai pas le choix, on te beurre avec le Pentessy. Je suis une horde. Et les hordes, ça ne s'installe nulle part. Donc je rase des villes. Oui, je sais, c'est pas cool, mais je n'ai pas le choix. Est-ce que mi cuarto aussi dans ma chambre? Est-ce bien? Donc là, on se met en route pour la Farsale. Donc bah là on rase des villes, on se fait plaisir avec une reine folle furieuse en mode historique qui s'appelle Pentessile. Ces Amazones elles sont goldées, mais quand je te dis goldées c'est une armée d'élite. Au moins je fais pas trop de batailles. Oh Sir Rod, je te remercie, ça fait plaisir ça, pour cet abonnement. Et paf. Ah tiens, t'as l'icône du premier, c'est fondateur, abonné depuis un... Ah, t'es le premier à m'avoir suivi. Bah merci à toi, Sir Rod, c'est gentil. Bon, j'ai pas d'emoticône hein, pour le moment, faudrait que je m'y penche un jour. J'ai fait un petit effort, je vous avoue, j'ai commencé à mettre les icônes des points de chaîne, donc ça devrait plus tarder. Il faudrait juste que me laisser un peu le temps. La Farsale est tombée. Ouh, il y a du peuple là. Ok, d'accord, bon, c'est pas de la qualité. Mais. Alors attends. Y a pas une forêt là dans le coin? Attends, j'ai une idée. Je vais me foutre en embuscade. Oui, ils sont nombreux là. Bon, c'est pas de la grande qualité d'armée, mais quand même. 14. Après, ils ont pris des dégâts apparemment. Nouveau décret royal à faire. J'ai 21 000, je vais partir sur entraînement d'endurance des escarmoucheurs. Nos unités dans ce projectile ont 15% de munitions en plus. Donc là, sachant qu'elles en ont 18, ça fera 1,8, ça fera 2,7. Donc on va dire qu'elles auront 2 à 3 munitions de plus. Donc ce qui fera 20 à 21 munitions sera toujours ça en utilité. Donc là, j'ai rasé déjà. J'ai fait 2 batailles contre les Achéens. Il me faut encore une bataille, je pense que ça devrait être suffisant. Ah, Ptéléon, c'est Arès. Et je crois qu'on l'a pas encore fait, Arès.
Je sors d'une partie de Medieval 2, j'ai eu un super bon, j'étais heureux. Medieval 2 Vanilla ou avec un mode spécifique? Parce que là, on a vu pas mal de beaux modes intéressants proposés par Momon, Mitrandir et consorts. Oh non, 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 mais aussi, hein, tu rêves. Alors, est-ce qu'ils vont attaquer ces cons-là? Oh, ils sont séparés. Oh, le move qu'il fallait pas faire, en fait. Et là, en plus, cette armée-là est free. Bonjour. Show me blood. Là, bah pour moi l'un des meilleurs Total War avant l'arrivée de Warhammer bien sûr hein. Maintenant Warhammer en termes de vente est devenu l'un des meilleurs, même si Free Kingdoms quand même est pas mal. Le chemin, bon, on a fait notre mission épique Rage Noir. Alors, un marché insolent. Les Achéens à la longue chevelure se tenaient droit face à la reine guerrière, la dévisageait telle une simple femme de pêcheur. Alors que vos armées marchent à travers les terres d'Achaïe, les Argiens, dans leur folie, envoient un émissaire à votre campement. Leur message est le suivant. Retirez vos troupes de nos côtes et cessez votre pillage ou nous anéantirons votre bande de voleuses. Comment hostiles vous traitez de voleuses alors qu'ils ont mis à sac vos terres sacrées? Il est peut-être temps de déclarer la guerre. Renvoyez les émissaires. Pendant 10 tours, coût de construction des bâtiments de la Horde, moins 20%. Déclaration de guerre. Moins 20% de recrutement de toutes les unités, plus 20% de reconstitution, mais moins 100 de relations avec les Achaïens. On est en guerre avec les Achaïens de base. Les Achaïens paieront pour le pillage de Temsir. L'heure de la guerre a sonné. Bon bah je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Encore un salon à créer. Ah vous êtes durs messieurs. Hein. On va se rendre à Ptéléon. Donc là on aura, il nous faut encore quelques rangs ici. Et elle. 5 aussi. Et nos cavaliers, je voulais les faire passer en furie. C'est parti. Voilà, nous aurons deux furies pour voir un peu ce que ça donne. C'est de la cave légère, experte en attaque de flanc. 106 d'attaque en mêlée, 62 de défense en mêlée. C'est pépouze. Nouveau décret. J'ai pas redépensé déjà 10 000 quand même. Hein. J'ai déjà assez dépensé comme ça. 10 au revenu de tous les rasages, pourquoi pas. Votre stainless steel est ouf, ils ont aussi sorti un mode très proche, il y a une vanilla plus qui met toutes les factions des campagnes annexes, genre lituanien, irlandais, pays de Galles, faudrait tester ça. Ah, ça m'intrigue ton truc, moi, Sirurot, je vais peut-être checker ça, tiens. Bon, j'aurai pas trop le temps de refaire du tour en un petit moment, parce qu'il y a des sorties qui m'intéressent hors Total War, à part qui sont Age of Empires 4 avec les campagnes. Du bois, ça je prends à la limite. Et la Jurassic World Evolution 2 que j'ai envie de faire. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais faudra s'y penser. Si je trouve le nom, je t'envoie ça. Je te remercie, Sirurot, c'est gentil. Monsieur Sirurot, vous êtes bon prince. Donc là, voilà nos objectifs. Donc on est à 11 sur 13. Donc on va voir un peu ce que ça donne ici. Athéna, je crois qu'on l'a déjà vénéré. Oh, là, il y a du people, ok. Donc, je vais sortir lui. Prince danois, excuse-moi. Et surtout, j'adorais les Danois dans Medieval 2 avec leurs prêtres à la masse, là. Pour ceux qui se rappellent, en vanilla, je parle. J'adorais cette unité-là avec... Et leurs archers qu'ils avaient DH et tout, c'était totalement n'importe quoi, mais c'était bon. Ah, cette armée s'est repliée dans le nord, je sais pas comment ça se fait. Alors là, je vais faire un assassinat à 82%, te rate pas. Ça marche, et en plus il fait du dégât. La plaisanterie, hein, les meilleures plaisanteries sont les plus courtes, hein, c'est très connu. Ah, j'ai repéré du Nutella, je fais chier. Destroy this place.
Arrête, sculpte en haut, ça c'est cool. On va se mettre en camp. Je pourrais engager une troisième furie en vrai. Vas-y, allez, j'embarque une troisième furie. Comme ça, dès que possible, ici. Tant pis, j'aurai trois unités à la hache, trois furies. En fait, les hippomacoïs vont frapper devant. Les hippomacoïs vont frapper devant et les furies, les hages vont frapper derrière. Jurassic World Evolution 2, il aurait dû faire plutôt un gros DLC. Après, je te rejoins là-dessus, Alf, mais je pars du principe que les... Bah, pour moi, ça aurait dû être de base. Bon, ils avaient fait un effort avec les Terranos, donc ils ont rajouté avec le DLC de Jurassic Park en 93. Mais bon, je pense que ça aurait dû être un gros DLC. Mais je pense qu'aussi avec le... l'arrivée de... Comment ça s'appelle? Merde. De Jurassic World Dominion, je pense que le faire un nouveau jeu, je pense que c'est pas une mauvaise idée en fait. Et là, ils pourront montrer qu'ils ont progressé aussi Frontier, tu vois. Donc, je vais partir sur ça. Ouais, les prêtres de guerre, les bandes de garde nordiques archers qui sont ultra ouf en plus, au corps à corps, ça tape à 11 avec leurs épées. Ils avaient. Alors, je sais plus si peut-être que ça a changé ou je me trompe. Je me souviens qu'il y avait une unité d'archers qui avait des haches. Une hache à la main, à une main, tu vois. Alors, est-ce que c'était le cas ou je me trompe? Donc là, il faudrait que je me rende à Gla pour raser ici. Athéna, j'ai déjà rasé une fois. Donc, Athéna. On n'a plus grand-chose. Hein. Et on s'approche du tour 100. Ils vont commencer à me détester. Et là, mes relations avec Paris et Hector vont s'améliorer, mais comme je tape leurs ennemis, donc ils sont contents. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, n'est-ce pas? Chez les Russes, ils ont ça, ouais, mais pas les Danois. Les Russes, c'est le Dior qui sont archi qui tapent à l'âge bouclier. Redoutable guerrier d'ailleurs. D'accord, bon. Tu m'as corrigé, c'est cool. Merci à toi pour ta bienveillante coopération. Alors. Est-ce que si je me mets comme ça avec pointé scellé. Non, attends. Momonus 007, est-ce que tu peux aller me chercher ça? Je vais me mettre en route quand même. Donc là, dans quelques tours, on sera rang 5 et on aura une armée full cavalerie. Avant de descendre, hein, tranquillou. Là, je crois que c'est Thèbes, la Thèbes grecque, hein, je sais pas. Et on se rapproche aussi d'Athènes. Donc là, les points, ça va commencer à vite monter. On est déjà 33 colonies de rasées. Le mode choix s'inspire peut se faire jouer Irlande. Mais en vrai, les gars, enfin, je sais pas votre avis sur le sujet, mais pour moi, s'il devait y avoir un nouvel opus médiéval, j'espère que toutes les factions des extensions de Medieval 2 seront jouables, quoi. Ça serait con de faire des factions en extension et de pas les voir dans la campagne principale. Hein. Après, bon, à mon avis, s'il y a un futur opus médiéval, mon avis, c'est que, comment dire, on va avoir des tonnes de DLC, mais j'espère que ce sera une bonne campagne de base, quoi. Et qu'on explore un peu plus que l'Europe et le nord de l'Afrique, quoi. Genre l'Asie, un peu, je pense qu'il y a de quoi faire. Et pourquoi pas... comment ça s'appelle? Oh, succès total. Et pourquoi pas un petit peu l'Afrique, un peu plus. Pareil, extension plus faction médiévale. Ouais, Aragon, oh oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'Aragon dans Medieval 2, si on retire de tête. Bon. Pour vous, c'est comme la densité de Medieval 2. Bah moi j'ai envie de dire j'hésiterais entre Crusader effectivement et celui avec les Teutoniques. Ça y est. Alors notre dernière unité d'Hippomacoï. Donc on va pousser sur Oponte.
Aigla, comme ça, et on aura le truc des rats. On se rapproche tranquillement d'Athènes aussi, hein, qui sera la première ville qu'on devra raser pour l'objectif de la victoire homérique. Donc là, on est en train d'essayer d'accomplir. C'est la mission combien? Jugement du Dicin, je crois que c'est la mission 11. Donc là, on va entamer l'avant-dernière. Bon, on va s'arrêter là pour cette VOD YouTube. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de combats, mais bon, avec la horde d'Apathécilie, on s'en sort plutôt pas mal. Mais bon, on va se méfier quand même d'une mauvaise surprise. Peut-être que dans le doute, je vais mettre en camp 2 secondes. On verra ce qui nous arrive. Allez, on se dit à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao. Bon, bah c'est pas mal, hein, notre odyssée en Grèce, là, notre pillage en Grèce. Fait un carnage, hein, on va pas se le cacher. Par contre, Tarakos, ils ont combien de colonies? Oh, ils en ont 15, ça va. Donc, peut-être qu'à un moment, faudra voir pour lever une deuxième horde. J'ai fait tout ça en une seule horde, ce qui est assez drôle. Donc, on a des unités. Alors, je vais voir juste si j'ai pas oublié. Ah, j'avais oublié d'améliorer une de mes unités. Donc là, on a des stats de fou. Athènes encore, mais... Mais on n'est pas avec Ajax. Ah bah écoute, Ajax a pris Athènes, mais tant pis pour lui. Hein. Il avait qu'à faire, il a qu'à choisir une autre cible. Donc on est reparti YouTube. Salut à tous, bienvenue, bienvenue. On continue notre campagne avec Penthesilée qui continue de faire ses pillages dévastateurs en Grèce et ses massacres sans nom. Son but actuel, ça va être d'essayer de se rendre à Athènes pour accomplir sa mission épique et piller et raser des villes en chemin, bien sûr. Voilà. Donc là, on est reparti. Là, on a recherché quoi que j'essaie de me rappeler. Attends que je dise pas de bêtises. On faisait ça, mais je vais plutôt changer ça 2 secondes. Je vais juste prendre la 10% de rechargement pour nos javelinières à cheval. Ce sera pas déconnant. Britannia, ouais, c'est vrai. Bon, après, j'ai pas accroché à Britannia perso. Hein. Peut-être que la musique, ça peut compenser. Mais moi, honnêtement, ce qui me fait accrocher à 3, hormis le contexte, c'est... C'est la bande son. Moi, j'adore. Hein. Je sais pas ce que vous pensez de... Enfin, Sirot, particulièrement toi. Qu'est-ce que tu penses de Troy pour ce que tu as vu, ce que tu as vu, regardé ou... Est-ce que tu l'as? Je sais même pas. Ça y est, Mycène est en train de recoloniser. Les Doriens me redéclarent la guerre, mais ils sont loin au nord. Non, je l'ai pas. Allez, on a notre bonus. Donc là, il nous faudra encore du bois pour avoir ça. 10 de dégâts aux unités dans ce projectile. Je vais repartir sur les pillages. Et là, je vais envoyer mon espion à Gla pour voir ce qui nous attend. Là, si on rase cette colonie, ça sera pour Hera, d'accord. Donc à Gla, il y a ça. 48% ou 32%, ouais, on va éviter. Ça a l'air d'être un agent top niveau. Donc là, je vais me rendre à Oponte avec mon armée full cavalerie. Et j'essaie de faire le succès, justement. Bon. La musique de Troy est vraiment pas mal, oui. Pour moi, en termes de bande-son, si je devais mettre un top 3 dans les Total War, comment dire, bah déjà, pour moi, la meilleure bande-son. Jusque là, j'ai envie de vous mettre la bande son Total War Attila. Rien que les chants avec la musique d'intro et tout dans le menu. Ça, c'est pour moi, c'est un must-have. En deuxième, je vous mettrai Troy pour sa bande son. C'est franchement un must-have. Et si je devais en mettre un dernier, c'est un choix du cœur là. Peut-être que ce sera pas objectif. Mais pour ceux qui ont joué à Medieval 1, pour moi, c'était une excellente bande son. Ceux qui ont joué à Medieval 1, je me souviens encore des musiques. Dans ma tête, elles étaient vraiment géniales. Rome 2, par contre, j'ai un peu plus de mal avec les bandes son. Donc là, on est parti avec notre armée full cavalerie. Alors, comment qu'on va faire? On va déjà activer, on va provoquer avec nos escarmoucheuses. On voit un peu les furies, on les a pas encore vus au combat, tiens. Je te tiens au courant, Kazor, je vais te faire un giveaway, je vais offrir mon compte épique. Oh!
Ah, c'est un beau geste de ta part, Ralph. Chapeau. Bon, là, les lanciers sont en train de venir, mais c'est une grave erreur. J'essaie de provoquer leurs lanciers déjà pour les dégager. C'est ça qui va me faire, qui va être le plus chiant à gérer. Bah alors? Il fait que je l'ai sur Steam maintenant. Bah c'est très beau. Tiens, rien que pour emmerder le monde, je vais envoyer des furies chercher ces lanciers là. Ah, il y a une autre unité qui se pointe, c'est cool. Eh bien, amenez-les-moi. Oh, oh la vache. Bon, là, c'est bien, ça tombe. On va reculer. Reculer, on va se faire charger, c'est bien. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que ces lanciers-là ne reviendront pas. Maintenant, il y a une unité DPS qui veut venir ici, bah, qui viennent. Donc là, nos javelinières, elles sont en train de faire un carnage. Oh, les 23h, c'est l'heure du café. Bon café à toi, mon cher Sir Roth. Enjoy. Dis-moi ces lanciers. Faut pas qu'ils se reforment, là. Attention. Je vais peut-être envoyer quelques unités à l'âge pour me faire ces frondeurs ici. Vous reculez. Allez, petite contre-charge. Donc là, c'est un... Attention, on arrête le feu là. On arrête le feu. Attends, faut que je fasse un truc avant. Ok. Oh, mais monsieur, faut vous calmer, là. Bah, merci à Sir Roth pour tes abonnements, c'est très gentil de ta part. À noter ce jour d'une pierre blanche, hein, 5, 6 subs, bah, merci à toi, je sais qu'il y a September aussi, donc profitez-en. Bon, vous n'aurez pas d'emote, les gars, je suis désolé, mais... Bah, merci à toi, Sir Roth, ça fait chaud au cœur. Bon, on va arrêter de tirer. Ce soir, c'est pire. Non ben alors, merci Sir Roth pour... Alors, attends, je m'en peux. Squash Beige, Mitrandir, Altigrou, Momon et Tom Tom. Merci à toi et bien bravo les gars pour ceux qui ont eu une petite icône d'abonnés. Wololo. J'entends déjà Momon de Wololo d'ici. Ah bah bravo monsieur. Bon allez, massacrez-moi ces épées, ceux-là. C'est gagné. Allez, café pour Sir Roth. Il fait sa tournée le Sir Roth en fait. À vous. Succès déverrouiller tous les chevaux de l'arène. Je pense que Momon, tu sais aussi bien que moi, c'est quel succès que j'ai débloqué. Raser et tuer. J'ai débloqué le succès des chevaux de la reine. C'est celui... Alors, attends, que je regarde bien. Je crois que c'est celui avec full cavalerie. Tous les chevaux de la reine. En jouant avec les Amazones d'Hippolyte de Penthesilée, remporter une bataille avec une armée composée exclusivement d'unités montées. Ça, c'est fait. Donc il nous reste combien de succès avec Penthesilée? Je dirais qu'il nous en reste deux. Enfin trois avec la victoire homérique. Alors il nous resterait lesquels pour la suite de campagne? Donc la vengeance incarnée et la victoire homérique. Donc ça c'est ce qu'on va faire.
Remporter une bataille pour la colonie d'Athènes, ça va être fait aussi. On s'approche d'Athènes. Et... remporter les Butanica pour chaque dieu, faire des sacrés. Il nous reste encore 3 succès à faire, entre guillemets. Donc là on a une grande ville, Oh là c'est de la grosse armée par contre. C'est pas de l'armée d'amateurs hein. Et Mycène qui recolonise derrière. Tranquille. Ah Ménélas qui est là-bas, bon, il est trop loin mais bon. On sait jamais. Bon, Sirod va me faire décéder. Je passe pas souvent, je rattrape un peu. Oh. Tu sais, moi, Sirod, on a d'autres choses à faire des fois dans la vie, je peux comprendre, tu sais. Hein, Mais bon, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Bah, merci à toi en tout cas. Donc lui, il est chiant. Lui, là, on s'est raté. Panté, maintenant tu vas m'attaquer Gla. Alors je vois un peu le ratio parce que là, à mon avis, il y a quand même une armée assez intéressante, j'ai l'impression. Alors, sur le papier. Bon, on va les assiéger tranquillement. Quelques tours. Donc prochaine étape là. Thèbes, il y a du monde, hein. Ah oui, il y a du monde à Thèbes, effectivement. Je suis un faux viewer de l'ombre. Oh, il n'y a pas de vrai viewer ou faux viewer, faut arrêter avec ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des faux viewers sur un certain point, il y a des faux viewers hein, avec les comptes bots et tout là-dessus. Là, je ne peux pas le contester. Putain, là déjà rien qu'un tour, ils sont déjà en plus, ils ont plus de provisions. 21% sérieux. Bon, Moment, tu es très calé, hein. Tu tapes des espions. 21%. Sirod, c'est en fait. Sirod, en fait, c'est un bot. N'importe quoi. Mais vous êtes tarés, les mecs. Calmez-vous. Mais calmez-vous. Alors, 5% de chance. Alors, je vais partir sur quoi? Je vais partir sur l'herboriste égyptien. J'ai encore attendre le prochain tour et on va les raser.